les gens sont en délire. C'est la première de Céline Dion ce soir. Écoutez, il y a de la vedette au décor. C'est incroyable. Et l'ambiance est complètement folle. Alors, suivez-moi dans les coulisses. Oui, c'est... Hein? Ça va bien? On est en live sur mon restaurant. Oui! J'aimerais savoir si vous avez une chanson à apporter sur la nuit déserte de Céline Dion. Ce serait laquelle? Ben comme là, en ce moment, pour que tu m'aimes encore. Ce serait ça, là. Là. Et vous, bon choix. Ben moi, c'est drôle, mais c'est une chanson que Céline a déjà chantée qui est « All by myself ». Qui est comme allô, extraordinaire, qui me renverse à chaque fois. Ce serait vraiment mon choix. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, c'est votre idée. Salut. Oui. Oui. Oui, il y a de l'action, il y a de l'action. On vient d'arriver, l'ambiance est complètement folle. Si jamais tu avais apporté justement une de télévision, Je t'aime encore et elle l'a fait ce soir parce que je l'ai vu son show moi. Puis elle fait Je t'aime encore. Puis quand elle l'a fait là, j'ai oh yes! Moi je suis allée en Belgique là-bas, puis je trouvais que ça valait la peine pour entendre cette chanson-là. Et vraiment, ouais, c'est la toune qui me fait pleurer à chaque fois. Yes. Hey, ça me fait plaisir, merci. Il y a des milliers de gens qui sont venus pour Céline Dion, c'est incroyable. On va continuer à aller voir les vedettes. Ça va bien, toi? Je suis venu péter ta bulle un petit peu. C'est correct? J'aimerais savoir, elle est super belle ce soir. Merci, je suis avec ma belle blonde en plus. Elle est vraiment belle et puis, wow! Les gens qui apportent déjà. J'aimerais savoir si vous êtes super bien. Oui, on se tente. On est en direct. Si vous auriez en fait apporter une chanson de Céline Dion sur l'île déserte, ce serait laquelle? Priant païenne. Yes. Oh boy, je pense que je vais y aller. Elle? Non, non. Oui? Non. Elle, là, sa préférée, c'est la chanson qu'elle a faite pour le film Nouvelle-France. Mais elle est un petit peu gênée de le dire. Merci beaucoup, les filles. Merci. Attachez-vous là, je vais. C'est par là-bas. C'est vraiment... Ça va super bien. Mais je connais toutes les tunes de Céline. Hey, j'en ai tellement. J'irais Where Does My Heart Beat Now? J'adore Where Does My Heart Beat Now. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir Céline. C'est avec Unison. Fait que moi, Where Does My Heart Beat Now, pour moi, c'était comme le début d'une longue histoire. Et de, tu sais, Céline, pour moi, et pour bien du monde de mon âge, comment je pourrais dire? Je me suis visualisée dans cette carrière-là, très jeune, à cause de Céline, parce que je l'admirais tellement, puis je voulais faire ce qu'elle faisait. Puis, c'est mon métier aujourd'hui, donc... Merci beaucoup, Monsieur Bia. Hey, merci! J'aime pas de votre soirée, bye! Alors, on continue à se parler un petit peu sur le tapis rouge. Vous voyez, si c'est... C'est à ton compte. On continue sur le tapis rouge. On va aller un petit peu plus loin voir s'il y a d'autres vedettes présentes. On vient de voir Corneille ici. Ne partez pas sur le premier souvenir de cette vidéo. On va essayer de lui poser une question. Vous m'avez impressionné, puis le Québec. Ça a l'air. C'était
bazar qui m'intriguait puis dans lequel je suis vraiment. On va se promener, voir s'il y a des gens qui sont libres un petit peu. C'est... Je vais juste vous montrer l'ambiance, comment c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez Céline? Moi, oui. Pas moi. On se sent comment? Je suis folle de joie. Oui, hein? Très stressée. C'est ça, comme une atmosphère spéciale. Oui. C'est circule ce soir. C'est fou! C'est fou, fou, fou! Elle me dit, oubliez, bon spectacle! À toi aussi! Merci de nous suivre! Bye bye! Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens dans le public qui sont présents. Je continue à attendre certaines vedettes qui sont présentes. Bonsoir, très bien. On est en direct sur Monde de Stars en ce moment. Oui. Une question pose-nous. Si vous aviez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ça serait laquelle? Est-ce que la chanson, là, My Love, là, c'est quoi son titre? Celle du Titanic, peut-être? Oui, celle du Titanic. Celle du Titanic. Parce que, c'est ouais. Hey, absolument. Bonne soirée. Merci. Alors, nous, on continue notre chemin. Il y a beaucoup de vedettes. Salut! Oui, toi aussi? Je te regarde du tout, je te regarde là. Dedans, ok. Ouais. Pleine d'énergie. En feu! Sérieusement, je ne l'ai jamais vu comme ça en 3 ans, puis c'est pas des blagues. Ouais, hein? Ouais. Si jamais tu avais apporté une tour de télévision sur une île déserte, ce serait laquelle? Prière païenne. Ouais, sérieusement, je connaissais pas cette chanson-là avant de sortir avec la plus grande fan de Céline au monde. Puis elle me l'a fait découvrir. Puis depuis ce temps-là, je l'adore. J'ai ma prière! T'as pas le choix! Fait que c'est ça, mais c'est ça que ça fait sortir avec une fan de Céline. Tu deviens un peu fan, c'est bon, mais jamais aussi freak, par exemple. Wow. Wow. Yes. Merci, mon chou. Bye! Alors, wow, les gens sont super sympathiques. Ah, je vois ce qui s'en vient. Guillaume Lemaitre-Vierge et sa nouvelle blonde, qui est nouvellement maman. Wow, on est super contents de les voir. Je vais essayer d'aller leur poser une ma petite question. Je sais pas si ils sont libres. On va s'essayer. Le métier vert de sa copine. C'est l'heure des photos. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Pour que tu m'aimes encore, sans hésitation. Très bon cœur, très bon cœur. Moi, j'aime beaucoup celle qu'elle a fait en duo avec Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est ça. Voilà, j'aime beaucoup Jiri ou Tira. J'aime beaucoup celle-là. On va la faire en duo prochainement. Là, on répète ça. Merci beaucoup. C'est fou comment il y a des gens en ce moment. On a vraiment du fun. Là, j'aimerais ça aller voir Cornet, mais il est toujours très occupé en entrevue. On va attendre un petit peu. J'espère que vous êtes tous présents en ce moment. Vous avez des questions? On ne sait pas si Céline Dion va venir sur le tapis rouge, on l'espère. Hey, il y a au moins 50 000 personnes minimum. Je vous montre. C'est assez impressionnant. Alors? Dans l'ordre, là, c'est Marie-Laurence. C'est dans Marie-Laurence. Il y a pas la photo! Merci de nous continuer. J'espère que vous aimez ce qu'on vous montre. Oh, une petite question. Qu'est-ce que c'est pour vous? France 1, on va attendre un petit peu. France vient d'arriver.
pense qu'à Estelle, toujours aussi souriante, une belle énergie, cette femme. On va attendre de... Félicitations! Une petite photo, ensuite, on va poser une petite question. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi! Ça va allô, super toi? Bien! Hey, j'ai une question, on est en direct sur le monde de sport. J'aimerais savoir si tu avais une chanson de Céline Dion à porter sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh mon Dieu, la même que tout le monde, que tu m'aimes encore. J'avoue que tu as gagné souvent. Ou Incognito! Ça dépend du pourquoi je serais tout seul sur une île déserte. Yes. Amuse-toi bien, bonne première, merci beaucoup. On voit PO, notre caméraman qui est ici. Yes! Et sa grand-mère qui est venue avec nous ce soir. Super! Il y a du monde et sa copine. On va aller voir Patrice. Céline Dion, en fait, je ne suis pas sûr qu'elle va être là ce soir. Espérons que oui. Est-ce que vous voulez que je reste en live encore avec vous ou on arrête ça? J'aimerais avoir au moins une centaine de likes pour continuer le live Facebook en direct la première de Céline Dion. Oh, là, je sens les likes, c'est incroyable! On va aller voir Patrice, l'animateur de Sucré Salé. Ça sera pas bien long, on va essayer de lui poser une question. Vous voyez, il y a un petit peu un blocage en ce moment sur le tapis rouge, comme vous voyez. Alors, je vous présente Herbie, notre agent de sécurité pour la soirée. Alors, on attend toujours plein de vedettes qui s'en viennent. C'est un des plus gros tapis rouges que j'ai assisté cette année, je vous dirais. C'est impressionnant. Très bien de me faufiler, mais il y a vraiment pas. Marina Arsini, on va aller lui poser notre question. Si vous avez des questions à poser à nos vedettes, c'est le temps. Ça fait 2 mois, je suis en vacances. Je recommence à la mi-août. Bientôt. Oui. J'avoue qu'on y prend le goût. Je vais essayer de lui poser une petite question. Comment tu vas, mon beau gars? Allô, bonjour! Je suis avec Ricardo! Oui, c'est génial! Oui, ben, je suis les jeunes stats. Nous, c'était en santé partie. Quand j'ai pris belle, j'avais une main de l'an santé. J'ai l'impression de ramener. Ben, je veux, tu sais, il y a comme une évidence, mais je dirais que celle qui tourne en ce moment, encore un soir, là, je trouve qu'elle a un sens très large, très vaste, puis ça me touche vraiment beaucoup, cette chanson-là. Mais, mon Dieu, il y a tellement de chansons de Céline que j'adore. Beaucoup de chansons nous ont marqué. C'est la plus nouvelle, oui. Amuse-toi bien, bonne première, merci. Merci. Bonjour. Alors, je vais aller voir Patrice. Il se cache. Ouais. À
Le petit bouchon devrait se fermer. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut, je t'en prie, ça va très bien, toi? Allô, un monde de stars en direct. Écoute, l'amour existe encore et est difficile à accoter. C'est un chef-d'œuvre d'écriture et d'interprétation et ça dit ce que tu souhaiterais toi-même avoir écrit dans la vie si t'avais le talent d'en écrire une seule. Mais il y a To Love You More où il y a le violon qui embarque. La connais-tu, To Love You More? Tu vas l'écouter en arrivant à la maison. Tous ceux qui n'avaient pas... Non, je ne la chanterai pas parce que je fausse en parlant. Merci, c'est mon amour qui me dit de ne pas vous la chanter. C'est une chanson de douche? Non, c'est même pas... C'est juste que je fausse vraiment en parlant. Mais donc, voilà, allez écouter To Love You More. Moi, j'aime beaucoup le violon comme instrument. Et quand le violon embarque, l'émotion prend un huitième degré. Et la voix de Céline accote le violon avec la puissance 1000. C'est vraiment spectaculaire comme chanson. Alors, si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter. Et si vous la connaissez, ben gâtez-vous, réécoutez-la. Merci beaucoup, Patrick. Bonne première. Ça me fait très plaisir. Bonne soirée. Salut. Alors, on va continuer parce qu'un peu plus loin, il y a un cocktail VIP qu'on va aller voir un petit peu. On va passer dans les coulisses. On est vraiment au Centre Bell. C'est une bonne sécurité. Ils sont pas mal cool, ceux-là. Il y a des gens partout, c'est incroyable! Wow! Et là, vous avez Céline Dion, ce soir. Oui! Êtes-vous des sœurs? Oui! Oui! On est trois sœurs, l'autre est en arrière, elle nous attend. Génial! Hey, j'aimerais savoir, est-ce que c'est votre première fois ce soir à Céline Dion? Non. Une fois à Las Vegas. Une fois Bécomo, son incognito, puis en 2009 au Centre Bell. Yes. Puis là, on revient. J'ai une petite question pour vous. Si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh. By myself. Oui. J'avoue qu'elle revient souvent. Oh, oui, hein? Hey, amusez-vous bien. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je vais essayer de vous montrer à quoi a l'air le côté de Céline Dion en ce moment. Les vedettes sont arrivées sur le tapis rouge et se dirigent vers le côté. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Salut, on se fait espionner notre conversation. Ça va bien? Oui, une chance qu'on n'était pas en train de parler de cul. Mais ça, c'était tantôt. Ouais! Vous êtes arrivé quand, au juste? J'aimerais savoir, Maxime, si tu avais apporté sur une île déserte, tu as une chanson de Céline Dion? En ce moment, parce que moi, je suis comme au jour le jour. Là. En ce moment, c'est encore un soir qui tourne tout le temps. Mais la chanson qui m'a le plus marqué d'elle, c'est « Je t'aime encore ». C'est la première chanson que j'ai faite en concours, la première fois que je faisais des concours de chant. C'était à Jeune Espoir Enfant Soleil. J'avais fait cette chanson-là, je l'avais dédiée à mon père, j'avais 16 ans. Cette chanson-là me suit depuis ce temps-là. Probablement que ce serait elle. Wow. Hey, amuse-toi bien. Merci. Bonne première de Céline Dion. Merci beaucoup. On a déjà trouvé, on a déjà croisé Maxime Landry. Ah, comme vous imaginez, c'est soirée champagne ce soir. Ça va bien. Jean-Pierre Ferland. On va essayer de lui poser une petite question. Tout le temps. Parce que on reprend. Je me sens mal de déranger les gens, mais il faut ce qu'il faut. Moi, j'ai un film de gala, je l'ai montré. On va lui poser une autre question encore. C'était trop tôt, Jean-Pierre, c'était trop tôt. Mais là, il y a le Robert. Je crois que c'est une conversation très importante qu'on assiste. Je vais le mettre en scène. Oui! Oui. Hey, regarde, je t'appelle. Je t'appelle. En ce moment, on est en direct sur le monde de stars. Et là, j'ai une question. Oui. Si vous auriez une chanson de Céline Dion sur une île, ce serait laquelle?
Un peu plus haut, un peu plus loin avec Ginette, au 400e. Ouais. Bon choix. Hey, amusez-vous bien. En voici un autre. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Ça va bien? On va essayer de lui poser notre question. On est vraiment dans le party privé en ce moment. On est vraiment dans les seuls VIP juste pour vous ce soir. Alors, Monsieur Dubois, on va essayer de lui poser notre question. Ah ouais? Merci. Mais j'ai surtout axé sur les souliers. J'ai sorti. Ce soir, en passant, j'ai sorti mes Louboutins, je peux vous les montrer. Dites-moi si vous les aimez. Monsieur Dubois, ça va bien? Ouais. Hey, désolé de vous rentrer dans votre conversation. J'aimerais savoir. Ben, en fait, on est pas mal VIP en ce moment, on s'est incrusté. Hey, allez-y, mon jeu. Yes. Hey, j'aimerais savoir si tu avais à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ça serait laquelle? Ben, il y en a plusieurs. C'est comme s'il demandait si tu buvais de l'eau, ça serait quelle sorte. Mais moi, personnellement, c'est sa voix qui m'emporte. Alors, c'est très rare qu'elle fait quelque chose qui n'est pas. J'ai pas une chanson préférée de Céline. J'en ai un paquet. Mais j'ai une façon de. Je trouve que c'est quelqu'un qui représente bien une forme de rêve réalisé et qui donne certainement à des gens beaucoup de. D'ambition. Pas d'espoir, d'ambition. Hey, merci ça beaucoup. Ça vaut au-delà de l'espoir. Amuse-toi bien. Salut. Merci beaucoup. Continuons à se promener un petit peu dans les coulisses du party de Céline Dion. Le champagne est à volonté ce soir. Alors, on est à la recherche de vedettes. Oh! On a une chère demoiselle. On va essayer de rentrer. Hello, je suis on est en direct à Monde de Stars. J'ai une question pour vous. Si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Incognito! Alors, Incognito, hey, bon choix! Oui! Merci! Amuse-toi bien, merci beaucoup! Je vais aller voir à quoi ressemblent les petites bouchées. Fromage de chèvre et pêche. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Fromage de chèvre et pêche. C'est excellent. On continue notre tour. Donc, voyons, on est vraiment dans les coulisses. On va retourner sur le tapis rouge. Juste me suivre. Monsieur Thomas. Ça va bien? Ça va super bien. J'ai une question pour vous. Si vous auriez apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Ben, c'est simple. C'est L'amour existe encore. L'amour donc, quand même. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. On pogne des gens sur le flair, comme on dit. On va retourner sur le tapis rouge, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Des gens de marque qui sont là ce soir. Il y a même des gens ici.
Je vais même traverser les buissons pour aller leur parler, je pense. J'ai une question pour vous. Si vous auriez apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Ben, encore un soir. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui, 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 oui. Amusez-vous bien, merci beaucoup. Les gens du public, c'est ce qui est le plus important pour moi, donc j'en ai profité pour aller poser ma petite question. On retourne sur le tapis rouge. Bonsoir, ça va bien toi-même? Oui. On est en direct sur Monde de Star en ce moment, je te jure. Et là, j'aimerais savoir, ouais, carrément, si tu avais une chanson de Céline Dion à apporter sur une île déserte, ce serait laquelle? Pour que tu m'aimes encore, bien sûr. Oui, oui. Il y en a plein d'autres, mais pour que tu m'aimes encore, oui. Amusez-vous bien, bonne première. Je suis heureux d'être là, je suis vraiment heureux d'être là, oui. Il y a toute une ambiance, en fait. Ah, c'est, mais j'ai jamais vu une affaire de même, c'est les Oscars. Oui, formidable. Vive Céline. Salut. Demandez à José Godet. Hey, comment ça va? Bien, bien, bien. Salut. Allô, allô. Oui. Vous avez des belles lunettes, sont pareilles. Yes, sir! Hey, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une déserte, ça serait laquelle? Une chanson? Ben, on dirait que c'est trop facile de dire la toune de Titanic, là, tu sais. Mais moi, je dirais elle pareil. On dirait que ça serait elle. Moi, chaque fois que je l'écoute, elle me fait brailler. Mais sinon, l'autre, là, bien populaire, là. Ouais, je pense. C'est quoi l'air, là? Attends, là. Elle vient de jouer, là. Attends, chante-moi là. Il y en a beaucoup. Je suis pas très bon en chanson, par contre. C'est là. On ne peut t'ignorer. Celle-là, là. Wow. Okay. C'est celle-là. Hey, merci beaucoup. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Merci. Allô, allô? Ben oui, je suis en train de m'arracher le bouton de manchette. On est justement en direct sur Monde de Star. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir... Monde de Star? Qu'est-ce qui va en ressortir? Ça va être quoi le titre? Il va avoir un suspense. Sarah Jeanne a perdu ses jambes. Sarah Jeanne nous annonce quelque chose de spécial. C'est suffisant d'aimer. Mais c'est suffisant d'aimer, c'est un incontournable, mais il faudrait que j'y pense. J'y penserais plus longtemps que là si je partais sur une île déserte. Sur l'île déserte, il y aurait plus upbeat aussi quand même. On ne change pas, peut-être. Peut-être j'irai où tu iras. Ouais, c'est ça. Quelque chose de plus upbeat. Ouais, tu sais. Amusez-vous. Et bonne soirée. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci. Bye. Sarah Jeanne Labrosse. Puis ça y tentait pas trop, mais bon, on a quand même. Bonsoir. Ça va bien? Oui. J'aimerais savoir si vous auriez apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Ben, ouais. Elle aime bien ma chambre. Moi, j'aime bien. Bon, malheureusement, on l'a entendu au funéraire, mais 3h20, c'est vraiment là, une très, très belle chanson. Mais elle en a tellement, là. C'est notre meilleure ambassadrice du Québec partout dans le monde. On est fiers d'elle. Merci beaucoup, amusez-vous bien, merci. C'est fou comment il y a des vedettes, j'ai jamais vu ça. Oh, bon. Le party est pogné. Oui. Une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh, ce serait. Comment ça s'appelle? L'amour existe encore. Très bon choix. Amuse-toi bien, merci, bonne soirée. Salut, ça va? Oui, ça va. Alors, il y a beaucoup de gens, monsieur Benoît. On va voir Boom Desjardins qui vient d'arriver, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah oui, ça va bien? On est en direct sur Monde de Star. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu.
ben oui, prends une petite pause et on revient tranquillement aussi. On est content de vous voir. C'était bien gentil, mon vieux. J'ai une question pour toi. Si tu aurais apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? L'amour existe encore. Ben ouais. Il va pas être le seul qui dit, par exemple. Amuse-toi bien. Merci. Herbie Moreau. Ça va bien, toi? On est en direct sur Monde de sang. J'ai une question pour toi, Herbie. Vas-y. Si tu avais à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? All by myself. Ben ouais, je pense que c'est ça. Hey, bon choix, amuse-toi bien. Non, mais j'aime bien. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien si tu es loin de moi. Ils sont toutes bonnes. Qu'est-ce que je... Tellement j'ai l'amour pour toi. Je les aime toutes. Salut. Merci beaucoup. Alors, c'était Herbie Moreau. Oh, Marie-Hélène Super que je vois ici. On va essayer d'aller lui poser une petite question. Il y a trop de vedettes en ce moment, c'est incroyable. Marie-Hélène. Salut. Oui. Oh. Si tu avais apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? C'est impossible de répondre. Mais... OK, ben l'album, une fille, quatre types. Quatre types, une fille. OK. Yes. Mais tout l'album. Carrément, tout l'album, ce serait génial. Ouais, moi, j'ai bien goût aimé cet album-là. Okay. Amuse-toi bien. Bonne première. Merci. Merci. Je veux savoir, est-ce qu'on continue encore sur le tapis rouge? J'ai besoin de 500 likes pour continuer sur le tapis rouge en direct. Yes. Alors, il y a Anouk Menu qui s'en vient. Je crois qu'elle est très occupée en ce moment. Faites attention, faites attention. Monsieur José Lito, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Mais on est en direct à Montreux. J'ai une question à vous poser. Oui. Si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Si j'avais à quoi? Si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh, pourquoi tu me manques de Céline Dion? Ah oui, je l'apporterais. J'aime trop cette chanson-là. Amuse-toi bien, merci beaucoup. Merci à vous. Joël Legendre qui vient de faire entrer sur le tapis rouge avec Mme Leclerc. C'est vraiment belle. Bon spectacle. Ils sont très généreux auprès de leur public. Hey, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça bonsoir, va bien? Si vous auriez apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Si j'avais à apporter une seule chanson pour que tu m'aimes encore. Oh, oui. Ben, parce que c'est une chanson qui est intemporelle, qui peut s'adresser à toutes sortes de monde dans notre vie, pas juste notre amoureux, ça peut être notre famille, nos parents. C'est magnifique. C'est vrai, mais dis, hey Joël, si tu avais apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh my God! I Surrender! Oui. Je pense que ça me donnerait du gosse pour continuer tout seul sur l'île. Ou une colombe! Ou une colombe! J'en manquerais dessus et je m'envolerais de l'île déserte. Tu peux avoir un extrait rendu là? Comment? Tu peux avoir un extrait rendu là? Malheureusement, on peut pas causer les droits. Ouais. Hey. Surtout à cause de l'autre tourne en arrière. C'est difficile. Hey, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Un gosse essaye. Alors, continue notre chemin sur le tapis rouge. Oui. Alors, on continue. J'ai pas eu mes 500 likes encore, donc de plus. Donc, on attend avant de continuer le tapis rouge. On va aller voir certaines demoiselles. Hey, bonsoir, bonsoir, ça va bien? Ça va super bien. On est en direct à Monde de Star en ce moment. Et là, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si vous auriez apporté
une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Hey, c'est tough, là, mais tantôt, j'y ai pensé, là. It's all coming back to me now. C'est genre ma toune, le clip, les fenêtres avec les éclairs. C'est genre puissant, c'est trop bon. Même choix. Ah ouais, on le est... même choix, on s'entend là-dessus. Ouais. Hey. Amusez-vous bien, bonne soirée, bonne première. Merci, merci. Alors on continue, j'ai eu mes 500 likes, je suis super content. Yes sir, c'est vous qui décidez public, en délire d'ailleurs. Yes. On va aller, on va retourner. Je dirais que ça commence à être tranquille quand même en ce moment. Les photographes sont en attente des vedettes en ce moment. On se fait concurrence. Le tien est plus gros. T'es pas de taille avec moi. Amuse-toi bien, merci. C'est Cathy Gauthier, comme vous pouvez voir, vient d'arriver. Ça va bien? Encore moins, on s'est vu hier, wow! Oui, ça va super bien. J'ai une question pour vous dire, on est en direct sur Monde de Star. Si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Tu m'aimes encore, c'est sûr. L'amour existe encore de Plamondon. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, amusez-vous bien. Merci. Super bien, t'es partout! Je pense que ça me suit. J'aimerais savoir, j'ai une question, on est en direct sur Monde de Star. Si tu avais une chanson à apporter de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh my god, je les apporterais presque toutes! Ouais, mais celle qui joue, c'est elle que j'apporterais. Tiens, dans ma... Ah! Merci! Ah, c'est pas compliqué la vie, comme on dit. Oh! Ça va bien? Ça va bien? Ouais, ça va super bien! Une petite question pour toi, j'aimerais savoir. Si tu avais apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh, ben, je pense que j'irais avec celle-là. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'elle, ouais. Elle fun. Elle fait de danse, écoute. Oh, on va aller voir Penelope McQuaid qui vient d'arriver. Alors, on va regarder, on va lui poser notre question. Elle est super belle, vous voyez, ce soir. Wow! Penelope. Penelope, ça va bien? On est... Trop aujourd'hui, il est pas avec moi parce qu'il faisait trop chaud. J'aimerais savoir, Penelope, on est en direct à Monde de Star. Si tu avais une chanson à apporter sur une île déserte de Céline Dion, ce serait laquelle? Ce serait Move Mountains, là. Na, 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 na. Je pense que ce serait ça. C'est un excellent choix. Ouais, vraiment. Bon show, Céline, on t'attend tellement avec impatience et avec... toutes nos émotions pour toi, là, ça va tellement pleurer dans Centre Bell à soir, là. Bon show, Céline. Hey, merci beaucoup, amusez-vous bien. Alors, on continue. Il y a vraiment beaucoup de gens. Julie Bélanger qui arrive ici. Qui était un petit peu sous la controverse cette semaine. Mais je crois qu'on va la laisser un peu tranquille ce soir. Hey, bon show! Hey, Emma. Yo, on est blé! Oh, Stéphane Bellavance. On va parler à Stéphane. Stéphane,
On est en direct sur Monde de Star en ce moment, ça va bien? En direct là? Yes, en direct là. Incroyable. Et là, j'aimerais savoir, si tu avais une chanson à apporter de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? La prière païenne, je pense. La prière païenne. Je suis sûr que je suis pas le premier qui dit celle-là. Yes. On l'écoute à l'autre. Ça fait quatre fois qu'on l'écoute dans l'auto. Je me croise les doigts qu'elle la fasse ce soir. Yes. Amusez-vous bien, bonne première. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Hey, vous êtes de nombreuses personnes en direct en ce moment, c'est incroyable. Les réseaux sociaux vont exploser. Tout le Monde de Star est sur Facebook en ce moment, je crois. Donc, encore beaucoup de gens s'en viennent. Ah, un ancien académicien. Tu veux lui poser une question? Oh! Bonsoir, bonsoir! Ça va bien? Oui, ça va très bien. On est en direct à Monde de Star. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Eh, Seigneur! Je pense que ça serait L'amour existe encore. Ouais. All by myself, c'est bon. All by myself. Il y en aurait plein. Il y en a beaucoup, mais... Ouais. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. On est en direct sur Monde de Star. Oui, j'ai une question pour vous deux, en fait. J'aimerais savoir si vous auriez apporté une chanson de Céline Dion dans une île déserte, ce serait laquelle? Oh my God! C'était une chanson qui était dans le petit Stewart, je me souviens plus du nom. Mais sinon, j'amènerais The Prayer, parce que je chante The Prayer, puis yes. Un jour peut-être que je vais chanter avec elle, tu sais. Sur une île déserte, ça risque d'être difficile, mais tu sais, je pourrais continuer de rêver. Et toi, as-tu une idée? Je sais pas, moi je pense que ce serait River Deep Mountain High. Ah, yes. Amusez-vous bien, bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Isabelle Racicot qui vient d'arriver. Beaucoup de gens en ce moment sur le tapis rouge. Il y a même des enfants qui courent. C'est incroyable. Oh! Bonsoir, bonsoir. On va essayer de lui poser une petite question. L'animatrice de Décor ta vie qui est juste ici, avec sa fille, je crois, avec ses enfants. On va essayer de lui poser la question. Oh, Madame Rasco. Oh! Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. On est en direct sur Monde de Star. Et là, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si tu aurais à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Hey, c'est dur, ça. C'est-tu quoi? Ce serait... mon Dieu, je connais pas le titre. C'est une de ses vieilles chansons en français. Puis à chaque fois que je vais la chanter, c'est pas bon, mais c'est « Tu m'as ouvert les yeux ». C'est une chanson d'amour que sa mère lui chantait. Puis quand j'étais enceinte de mon garçon, je chantais ça puis je pleurais. Fait que je pense que je partirais avec celle-là. Et là, ce soir, tu es en compagnie de ta famille. Bien, mon amie, Céda, ma grande copine. Et puis mon garçon, Laurence. Puis Simone. Wow! Hey, que des beaux enfants. Amusez-vous bien. Mais c'est elle, c'est ma plus belle, c'est la plus grande. Yes. Amusez-vous bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, wow. Alors, j'ai besoin d'un autre 500 likes assez rapidement pour savoir si on reste en direct à Monde de Star, car c'est un peu long, comme on dit. Normalement, on fait des lives Facebook de 4 minutes, mais là, on fait exception ce soir. Oh! Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Ça va super. On est en direct à Monde de Star en ce moment. Et j'ai une petite question pour vous. En fait, j'aimerais savoir... Hey, wow, vous êtes super beau en passant. Et j'aimerais savoir si vous auriez apporté une question, une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Moi, j'aimerais, je te dédance dans ma tête parce que ça serait long tout seul sur une déserte. Fait que c'est ça. Moi, je pense que j'amènerais... Une question assez difficile. Il y en aurait une colombe. Yes. Il y en aurait une colombe parce que ça commence quelque part. Je sais qu'il n'y a pas eu une colombe ce soir. Non, c'est pas grave. Amusez-vous bien, bonne première. Merci beaucoup, merci. C'était Charles Lafortune et sa copine. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'ambiance sur le tapis rouge en ce moment. Yes.
excusez. Beaucoup d'action. Mais les fans. Ah, Maï Paiement, qu'on a vu plus tôt cette semaine, on va essayer de lui reparler. Bonsoir Maï, hey, ça va bien? Comment ça va toi? Ben oui, ça va super bien. Hey, ça s'est bien passé le film l'autre fois, la première de Hibou? Yes. Ce fut un plaisir. Et là, Maï, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir si tu aurais apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Je te dirais, on ne change pas. Ouais. Oh, t'es sûr, on ne change pas? Non, on ne change pas. Amuse-toi bien, merci beaucoup. Je pourrais aussi apporter Love Can Move Mountains. Yes. Bye. Bye. Merci. C'est toujours aussi gentil. Hein? Alors, beaucoup de gens sont sur le tapis roulant en ce moment, c'est incroyable. On a du plaisir. Des gens de Sainte-Justine. Wow. Et des gens avec qui je travaillais quand j'étais infirmier à Sainte-Justine. Ils sont en arrière, on les salue d'ailleurs. Wow. On va aller un peu plus loin. Je vais Denise Robert un peu plus loin. Hey, vous êtes par milliers en ce moment en direct, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Oh, Madame Denise Filiadro vient d'arriver sur le tapis rouge. On va aller voir notre photographe, Amanda Starr, qui est là en ce moment. On oublie souvent le rôle des photographes, mais c'est super important. Alors, hey, bonsoir. Salut. Ça se passe bien? Oui, toi. Yes, sir. Alors, on prend des photos. Comment c'est de prendre des photos de vedettes comme ça à chaque tapis rouge? Ben, en fait, c'est le fun parce que c'est tout spontané, toujours des nouvelles personnes qui arrivent, que c'est temps de voir au loin qui arrive sur le tapis rouge, en fait, ils arrivent ici, prennent le temps de regarder tout le monde, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est quand même un beau métier, hein? Ouais, absolument. Amuse-toi bien, on a hâte d'avoir tes photos demain sur Monde Star. Merci. Merci. OK, on regarde ici. Ouais. Il y a beaucoup d'action en ce moment. On fait encore un peu le tour sur le tapis. On va aller voir un peu ce qui se passe plus loin parce que c'est un peu mort. En fait, la première commence. Je devrais débuter à 20h. Mais... Oh, mon Dieu! Denise Robert qui est très bien accompagnée. Avec... Oh! Denise Robert. Bonsoir! Hey, ça va super bien. On est en direct à Monde Star. Je suis toujours content de te voir. Et j'ai une question pour toi, Denise. Si tu aurais apporté une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Oh mon Dieu, c'est une question très difficile. Mais je dois dire, My Heart Will Go On, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Elisabeth. Bien. Merci. Merci, merci. Oh. On va aller ici. Joyeux anniversaire. C'est pas une question. Là-bas, oui. Vous voyez, Alors, Luc Plamondon vient d'arriver sur le tapis rouge. C'est assez rare qu'on le voit, Luc Plamondon, je vous dirais, sur les tapis rouges. Je vais faire une entrevue. Ensuite, on va essayer de lui poser notre question et, pour se faire saler. Alors, c'est avec Denis, qui est venu avec Denise Robert en ce moment. Wow, les gens sont un peu étonnés de le voir et très contents même. Alors, on fait... On va essayer de lui poser une question. C'est Luc Plamondon. C'est rare qu'on le voit dans les tapis rouges à Montréal. Thank you.
va essayer de lui poser une question. Vous voyez, il y a beaucoup de gens en ce moment qui arrivent encore, même à 20 minutes du spectacle, quand même. Est-ce que tu peux vraiment aller à la... Ok, bon, on peut pas. On est en direct à Monde de Star. On ne peut pas. Donc, il fallait qu'il y aille. C'est des choses qui arrivent. Il ne doit pas donner beaucoup d'entrevues, j'imagine. C'est un peu triste, on aurait aimé ça, mais bon. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. On va continuer. Diane, madame, en fait, madame Henkel, qui est toujours belle. Bonsoir, madame Henkel. Hey, ça va bien? Je suis content de te voir. Yes! Hey, je l'entends une petite seconde. Hey, j'ai une question pour vous ce soir. Si vous auriez à apporter une chanson de Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Si je devais aborder une seule chanson. Titanic. Oui, hein? Ah. C'est majeur. C'est majeur, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Mais c'est surtout la femme, moi, que je viens remercier, priser. C'est la femme avec le cœur. Elle est restée ancrée, la tête sur les épaules. Une grande dame, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, elle est restée égale à elle-même. C'est un bel exemple. Merci beaucoup, madame Henkel. Amusez-vous bien. Bonne première. Merci, c'est super gentil. Merci. Alors, il y a la gagnante de la voix qui arrive. Stéphanie, si je ne m'abuse, on va essayer de lui poser notre question. Ensuite, on va terminer ce live Facebook. Car nous devons rentrer sous peu à l'intérieur, puisque le show devrait commencer environ 15 minutes. Alors, on l'attend. Pour vous la montrer. Mais c'est Dan Migra qui est en train de faire une entrevue avec la journaliste Marie-Hélène. Oh, je crois que... Oh. J'avais cru apercevoir Céline Dion arriver sur le tapis rouge, mais non. On l'attend. Oh! On va attendre un petit peu. Hey. On va voir Stéphanie qui s'en vient. Alors, la grande gagnante de La Voix 2015-2016. Je ne sais pas si elle va passer ici. J'espère. On va lui poser notre question. Stéphanie! Hey, bonsoir Stéphanie, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ouais, on est en direct à Monde de Star. Et là, j'ai une question pour toi. Vraiment, tu es accompagnée de qui ce soir? De mon meilleur ami! Qui est d'ailleurs le plus grand fan de Céline Dion. Ah ouais, c'est vrai. Je vous le jure! Dur comme fer, j'irai cracher, mais je cracherai pas sur le merveilleux tapis rouge. J'aimerais savoir, si tu avais une chanson à porter Céline Dion sur une île déserte, ce serait laquelle? Je te dirais, on a écouté votre live de tantôt. Ben, ça doit être le même live, dans le fond. Wow. Et puis, je me suis dit que je répondrais The Power of Love. Yes! Incroyable, cette chanson-là. Wow. Tu nous as suivis en direct, c'est super, ça. Oui, pendant que j'étais en train de me maquiller, je vous écoutais. Là, lui, il était bien content de voir tout le monde, justement. Il avait hâte de s'en venir, mais vous connaissez ça, les femmes, ça prend du temps à se maquiller. Et toi, vu que tu es un fan de Céline Dion, ce serait laquelle que tu apporterais sur un île désert? Probablement la même. La même, hein? Oui, oui, oui. Oh, c'est ouais? Une belle histoire. Ouais. Il connaît toutes, là. Ouais. Il connaît toutes. La réponse facile, qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens. Amusez-vous bien. Hey, bonne soirée, merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Merci. Wow, là, Stéphanie qui nous regardait en direct du tapis rouge de Céline Dion. Wow! Vous savez, c'est un peu improvisé ce soir. On ne pensait pas que ça allait être aussi gros que ça. Il y a Jasmin. Il y a beaucoup de gens, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Alors, est-ce que vous voulez qu'on reste en live?
J'ai besoin de 500 likes, encore 500 likes, ce serait excellent pour nous garder en ligne encore un petit peu, mais ça devrait finir sous peu. Montre un petit peu à quoi ça a de l'air. Alors, on attend. On me dit que le tapis rouge est presque terminé. Alors, je vais juste... Alors les gens, je vais devoir vous quitter. On doit rentrer en dedans. On fait signe que c'est terminé le tapis rouge. Alors... Alors, c'était Mathieu Penneau de Monde de Star, journaliste pour vous. Merci de nous avoir suivis. C'était un peu improvisé comme tapis rouge. Mais écoutez, on est super contents de tous vos commentaires. On les lit tous un par un. Vous avez beaucoup liké, vous avez beaucoup suivi. Merci beaucoup. Je vais essayer de me glisser dans les coulisses de Céline Dion encore ce soir au Centre Bell. Et on se revoit demain. Surveillez-nous. Il y a sûrement des photos qui vont sortir ou des choses comme ça. Merci de nous suivre. C'est vraiment gentil. Yes. Alors... j'aime beaucoup, bonne soirée.